This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. Je vais commencer à introduire Madame Lay. Et donc, texte préféré, c'est un tel honneur, un honneur énorme pour moi de vous présenter, toute Madame Lay Dalley. Et Madame Lay, c'est un plaisir énorme de vous accueillir à Londres, au Centre for the Study of Contemporary Women's Writing in French, ici à Senate House, et de vous remercier beaucoup d'être venu assister à notre journée d'études qui s'est concentrée sur votre écriture la plus récente. Et ça a été peut-être bien fait de le faire avant que Brexit soit décidé. ça fait vraiment longtemps, j'avais depuis un moment l'idée en tête d'organiser ce colloque. Vu l'intérêt croissant dans l'œuvre de Lay Dalley qui se manifeste ici en Grande-Bretagne, comme en Australie et Nouvelle-Zélande, et dans l'Amérique du Nord, comme en France. Alors, c'est la réalisation d'un projet important, à mon avis. Parmi vous toutes, les participantes ici présentes, ce ne sera pas du tout nécessaire d'introduire l'auteur. Lay Dalley, vous avez toutes une très forte connaissance de son œuvre, mais laissez-moi peut-être vous rappeler de quelques points importants de sa carrière et son trajet littéraire. Décrite plus tôt cette semaine sur France Culture comme française d'origine vietnamienne, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, Lay Dalley se situe souvent, elle, personnellement, comme son écriture, plutôt au-delà des catégories de nationalité et d'autres catégories comme le genre et tout ça, dans l'exil ou un entre-deux. Elle publie depuis 1987, quand paru Un septembre vampire, et depuis elle a publié plus d'une vingtaine de romans. Donc récemment, le roman titré Roman, cette année, et nombreuses d'autres œuvres de critique et des essais littéraires. C'est toujours un travail de se rattraper des œuvres récentes, des œuvres publiées par Lay Dalley. Elle fait partie récurrente et croissante de la rentrée littéraire en France, et nous voyons augmenter de plus en plus son influence, son standing dans le monde littéraire et intellectuel français, et l'entretien sur France Culture est la preuve la plus récente. Et son écriture commence plus récemment d'être reconnue pour sa qualité et son originalité, avec par exemple le prix Vettelaire en 2010 pour Chronos, prix Chrono de Poche en 2011 pour L'enfant que je n'aurais pas, et bien sûr la sélection prix Goncourt en 2012 parmi les quatre derniers. Alors c'est vraiment, ça marque un point pour l'art de fond. Et elle va lire aujourd'hui un extrait inédit et écrit spécialement écrit pour cette journée, alors c'est vraiment un honneur, titré Du danger et de l'obscur, traitant de la mission de l'écriture, des devoirs et des possibilités du texte. Alors je vous en prie. Bon, je tenais à vous remercier toutes. Je regrette de n'avoir pas pu être là ce matin. J'en suis absolument désolée. Puis je remercie beaucoup Chikane pour m'avoir proposé de venir. Effectivement, le texte a été écrit, enfin, ça me trottait dans la tête. Donc je l'ai écrit exprès pour cette occasion. C'est un texte qui s'intitule Du danger et de l'obscur. Qu'est-ce qu'un livre, sinon la somme des espoirs et des repentirs, des désillusions toujours vivaces et des fureurs entrées? Michel Léris, l'homme de tous les paradoxes, rappelait à chaque occasion la nécessité de faire un livre qui soit un acte, une façon de mettre son cœur à nu et de s'exposer en prenant un risque moral. L'exigence n'est pas seulement de n'écrire que des œuvres auxquelles on est contraint, mais de s'acquitter aussi de cette tâche difficile,
produire chez le lecteur une secousse en attirant parfois l'attention sur l'insignifiance de la vie. Seijo Nagon, délicate dame d'honneur de la cour de Kyoto qui s'était inspirée de Tsatsui, les notes de Li Yishan, le fin lettré chinois du 9e siècle, pour composer 200 ans plus tard ses notes de chevet, ne cachait pas que son ouvrage était d'une modestie sans pareil, puisqu'il se présentait comme une succession de listes. Listes de choses désolantes, de choses qui font battre le cœur, de choses dont on n'a aucun regret, de choses effrayantes, de choses qui frappent de stupeur. Et cependant, si humble soit-elle, ces notes de chevet, parfois appelées aussi notes de l'oreiller, ont un je ne sais quoi d'infiniment grand, en cela même qu'elles contiennent en germe une littérature de l'intime, magnifiant ce qui donne l'impression d'être totalement dérisoire. Jetés presque distraitement sur le papier, ces fragments n'en dissimulent pas moins une ambition totalisante, bien que Seijo Nagon ne les présente que comme de simples esquisses, où elle aurait seulement essayé de capter des idées, des images, des réflexions, surgies dans son esprit pendant qu'elle tenait le pinceau. En dépit de ses dénégations, son livre reflète une manière d'appréhender le monde où il s'agit de dévider les chevaux de ce qui est encore dans les limbes et d'y projeter une douce lumière, douce car ce qui vient à pas feutré peut aussi apporter la révélation de l'incommensurable. Seijo Nagon, tout en s'abritant derrière ce qui semble ténu, si fragile, se dévoile et se dévoilant prend le risque de déconcerter. Sa littérature est une littérature qui s'écrit presque malgré elle, une littérature qui se cherche, une littérature où les chercheurs de traces se plaisent autant à égarer le lecteur qu'à s'égarer dans un dédale de déraison. Seijo Nagon, tout en traquant ce que la réalité peut avoir de plus prosaïque, pour l'élever à une autre dimension, n'en est pas moins une trouveuse de raisons d'en finir avec la religion du grandiose. L'homme est absurde par ce qu'il cherche et grand par ce qu'il trouve, et il n'est rien de précieux qu'il n'ait trouvé, qu'il ne l'ait trouvé en si hors temps, fait dire Paul Valéry à Méphistophélès dans Mon Faust. Le pacte, comme l'affirme Michel Léris, consisterait donc à prendre un risque moral en s'exposant. L'aventure commence lorsque l'écrivain, sans céder à ce qui serait comme une ouverture des écluses, fait croître le péril en empruntant des chemins qui mènent au cœur des ténèbres intérieures, là où le livre prémédité, loin d'être uniquement le lieu de toutes les certitudes, ne fait que soulever des interrogations, devenant pour l'auteur aussi bien que pour le lecteur le couteau qui remue les plaies. Suran ne croyait qu'au livre qui non seulement remue des plaies, mais en provoque. Un livre doit être un danger, tel est l'impératif formulé dans l'écartèlement. Rainer Maria Rilke, si à l'opposé de Suran, de bien des points de vue, le rejoint pourtant lorsqu'il aborde la question de la création, qui, dit-il, ne va pas sans une mise en danger. Dans une lettre à Clara Rilke du 24 juin 1907, il exprime avec force l'idée maîtresse qui doit être à l'origine de toute nouvelle invention d'un monde parallèle. Les choses de l'art sont effectivement toujours le résultat d'une mise en danger, une façon d'avoir été jusqu'au bout, jusque là où plus personne ne peut aller plus loin. Posons comme prémisse cette manière d'affronter le danger d'une progression hardie vers ce qui fait tomber les masques, le danger d'appréhender dans l'univers ce qui nous est radicalement étranger, en espérant voir se multiplier le monde qui autrement resterait monolithique. C'est aussi en traçant une route qui les conduit au cœur de la nuit que les faiseurs de signes, c'est le nom donné par Rilke au créateur, sont à même de découvrir la parole transgressive, celle qui n'est pas usée, celle qui ouvre encore des perspectives surprenantes. L'émotion est toujours neuve et le mot a toujours servi, dit dans Les Travailleurs de la mer, Victor Hugo, qui,
malgré tous les reproches qu'on pourrait lui faire sur son emphase, son goût du mélodrame, fait partie de ces écrivains dont on pourrait dire qu'ils savent intimement à quel point le style n'est pas une affaire de technique et de vision, et à quel point cette vision naît des régions inférieures de ce que la clarté ne désigne pas à notre emprise. La surexposition au danger met l'écrivain au défi de tenter une approche inédite de l'art de l'aveu, dont il n'importerait non plus de tout dire, avec une franche impudeur, une non moins franche bravade, mais de dire ce qui participe aussi du silence, lorsque ce silence-là est celui de notre incapacité à aller au-delà, à outrepasser, à brouiller les pistes et à effacer les traces. L'écrivain qui ameute les fantômes du passé sait que, d'une certaine manière, dans cette chasse au souvenir, il est aussi bien le gibier que le chasseur. Il s'attend à être cerné. Les mots qu'il trouve révèlent tous combien il est à la veille d'un chambardement d'envergure, sur le point d'être englouti, à deux doigts de sombrer, habité par la conscience aiguë d'un manque que la littérature, loin de combler, contribue à accroître. C'est ce que Kafka résume en trois lignes dans une page de son journal daté du 16 février 1915. Je ne m'y retrouve pas, comme si toutes les choses que j'ai possédées m'avaient échappé et qu'elles puissent à peine me suffire si elles me revenaient. C'est ce curieux mélange d'insatiabilité et d'insatisfaction nostalgique qui fait peut-être le prix de certaines confessions quand l'auteur, dirions-nous, se risque à dynamiter les conventions du genre et, sans se livrer à un simple déballage, effeuillage intime grâce auquel il est toujours facile de racoler le lecteur, perpétuellement désireux de jeter un œil dans le trou de la serrure, quand l'auteur donc s'aventure sur des terres où il conviendrait de s'affranchir de tous les carcans, à commencer par celui qu'impose l'obligation d'être attaché au concret. Chaque être crie en silence pour être lu autrement, écrivait Simone Veil dans ses cahiers. Cassandre, parlant d'une voix intransigeante dans un siècle de fer, elle a énoncé bien des vérités que le monde n'a pas toujours entendues. Tout lecteur, quand il aborde une œuvre, se doit de se mettre à l'écoute de cette voix venue des profondeurs et qui rappelle qu'à l'origine de chaque création artistique, il y a aussi cet appel, cette supplication, dirions-nous, d'un être qui a pris le risque d'un nécessaire dévoilement pour rompre les digues, aller au-devant de l'inconnu et revendiquer son propre mystère, tout en n'abandonnant jamais l'espoir d'être, non pas percé à jour, car il n'est pas un cobaye destiné, car il n'est pas un cobaye désigné à la curiosité d'un détective de l'âme, mais décrypté par cela seul, qui n'aborde pas une œuvre avec l'arsenal des exégèses sommaires, mais avec cette vigilante attention que Simone Veil croyait si salutaire, aussi bien dans notre relation au texte que dans notre rapport à autrui. Car lire un texte, comme lire sur un visage, c'est prendre conscience que face à nous, il y a le surgissement d'une présence, peut-être dangereuse, car elle nous remet en question, elle interroge notre individualité, elle menace de chambouler nos certitudes. Cet autre qui, en écrivant, trahit peut-être son désir d'être aimé, cet autre qui a obéi à un double mouvement, se retranchant derrière ce qu'il a conçu et se révélant tour à tour, a en quelque sorte joué avec le feu, vécu dans le feu, alimenté le feu de ses élans vers ses pères inconnus, ou, dirait Laurence Durel, un roman serait un acte de divination par les entrailles, une manière d'embarquer à bord de la nef des fous en n'étant jamais à l'abri d'un naufrage, de parcourir ses confins où le rêve coudoie la réalité en n'étant jamais à l'abri d'une tempête. C'est cette intention, cette volonté de sonder les ambitions souterraines d'une œuvre comme les faces cachées d'un être qui font que le livre ne sera pas cette tombe littéraire dont Valérie disait qu'elle renferme un sinistre trésor de beauté morte, de délire refroidi et de découverte démodée
Il ne sera pas dans nos bibliothèques, un de ces pauvres volumes dont Valérie disait encore, ils ont l'air d'être en pénitence, de se repentir d'avoir été écrits et de tourner définitivement le dos à l'existence dans ce qu'elle a de plus grisant. La vie d'un livre en librairie a peut-être de nos jours tendance à n'être guère plus longue que celle des insectes nommés éphémères. L'auteur court un danger plus grand que celui de s'exposer, le risque d'être submergé par la vague d'une folio fraîchement sortie de l'imprimerie est pour lui considérable. Et quelque passion qu'il ait mis dans la réalisation de son modeste opus, il n'est pas du tout certain de n'être pas balayé par le vent d'automne qui, chaque année, apporte son lot d'ouvrages, tous patiemment ourdis, avec, comme disait un personnage de mon Faust, la folle ambition de faire oublier tous les autres. Pourtant, nous voudrions croire que la magie du livre opère toujours, que même pour les plus blasés d'entre nous, ceux qui crient grâce devant l'avalanche de publications, ceux dont la ferveur est retombée, ceux qui ne sont plus guidés par cette exaltation propre aux liseurs avides, exaltation à l'origine de leur incessante quête du livre qui les mettrait en si grand danger que, entre langage et pancage, ils ne se perdraient pas en interrogation du style, que peut la littérature, mais se demanderaient pour le Lens de Georg Büchner, n'entendez-vous donc rien? N'entendez-vous donc pas cette voix épouvantable qui hurle de tout l'horizon et qu'on appelle ordinairement le silence? Kafka dirait que le silence des sirènes est plus redoutable que leur chant. Les livres qui nous dévastent et nous électrisent sont assurément ceux où l'auteur s'est mis à l'écoute de cette voix épouvantable et en restitue l'écho dans des pages que certains jugeraient pleines de poison, d'autres qu'elle nous intime d'accueillir ce qu'il y a de plus obscur en nous. La clarté confine à la sottise, disait André Breton. L'œuvre n'a peut-être de sens que si elle nous invite à mieux ressaisir notre vie en sortant de nous-mêmes, en faisant le deuil de ce que nous a appris notre intellect, en exploitant notre aptitude à nous ouvrir à tous les possibles. Albert Thibaudet distinguait le romancier authentique qui crée ses personnages avec les directions infinies de sa vie possible et le romancier factice qui les crée avec la ligne unique de sa vie réelle. Le vrai roman serait alors comme une autobiographie du possible, c'est-à-dire qu'il ne rendrait pas compte, avec une obtuse fidélité, de ce qui a eu lieu dans la réalité, mais ouvrirait la voie à tout ce qui est en devenir, sur le point d'éclore, de se réaliser en subissant une transmutation. C'est une espèce d'alchimie qui consiste à travailler la matière même des faits tangibles jusqu'à ce que la mise en œuvre soit avant tout un franchissement de frontières, un saut qui projette vers ses ailleurs où il importe avant tout de prêter l'oreille au murmure de la bouche d'ombre, en ayant la certitude de n'être pas à l'abri d'une déflagration intérieure. Habiter l'obscur, c'est s'apercevoir de ce qui échappe aux paroles, c'est descendre dans ces profondeurs qui favorisent une sorte d'union intime avec les choses. C'est faire en sorte d'avoir, comme le Kafka du journal de l'année 1914, un tel talent pour décrire sa vie intérieure que tout le reste, c'est affreusement.